Le cœur de Trente, c'est un mélange de vues sur la mer à couper les souffles et d'un centre historique qui conserve encore les charmes d'un monde ancien. Un ruisseau dense des rues sur lesquelles dont des petites maisons de type méditerranéen décorées avec des balcons fleuris. Il est facile de rencontrer des anciens bâtiments d'une fascination extraordinaire qui remonte à des époques différentes. Porte Alfonsina, un imposant passage dans les péridots défensives aragonais, accueille les visiteurs provenant de l'arrière-pays. En parcourant à pied Corso Garibaldi, on est immergé dans un univers pictural et en même temps magique, dominé par la tour de l'horloge qui montre les armoiries de la ville. Dans les ruines de l'ancienne église de la Vierge Immaculée, se dresse Porta Mare, un ancien accès urbain qui conduit au quai du port. En se poussant vers la partie la plus ancienne du bourg, on accède au bastione des Pelasgi avec sa magnifique vue sur la baie d'Otrante. Les paysages offerts par les centres historiques enchantent par sa beauté fascinante. Beaucoup de personnages illustres de la culture européenne et italienne on était fasciné par les couleurs de la ville. Parmi ceux-ci figure Carmelo Bene, qui a acheté sa maison dans les petites rues de Otrante. En souvenir du grand acteur, la communauté de Otrante a voulu lui dédier un musée, aujourd'hui en cours d'achèvement, dans le but de préserver et promouvoir l'œuvre de l'artiste. Dans les rues du bourg, se dresse avec sa magnifique beauté l'église de San Pietro, monument représentatif de l'art et de l'architecture byzantine des Pouilles, datant des siècles 8e-9e. Ses formes austères et archaïques sont décorées à l'intérieur par des extraordinaires fresques médiévales, héritage de la culture artistique italo-grecque. Le centre historique de Otrante est doté d'une beauté authentique, capable aujourd'hui encore de surprendre et étonner malgré son âge.